Des ondes Vocast. Des ondes Vocast. L'univers de la radio. L'univers de la radio. En podcast. En podcast. Salut à tous, c'est Olivier Audoux des ondes Vocast. C'est le podcast qui parle de radio. Dans ce numéro de décembre, on va faire le tour de l'actu radio. On fera un point sur les salons qui arrivent. Philippe Chapeau viendra notamment nous parler du Paris Radio Show qui revient en février à Paris. Julien Vigier nous partagera ses carnets d'écoute comme chaque mois. On fera aussi un petit zoom sur Azure Noël, radio temporaire de l'associative Azure FM. On recevra son directeur. Puis Rémi Bertolon fera un zoom sur une radio en Polynésie française avec un invité. C'est sur Radio 1 à Tahiti. Dans la deuxième partie entretien, Julien Vigier recevra Thierry Moreau, journaliste spécialisé média qui fait partie de la team d'Estelle Denis dans Estelle à midi sur RMC. Il reviendra sur son parcours et il nous livrera surtout sa vision de l'actu et du paysage radio. Des ondes Vocast. Et merci à Pure Jingles pour ce nouvel habillage. Ils nous écoutent tous les mois, ils aiment notre podcast et ils nous ont envoyé gracieusement ce nouvel habillage chanté. Alors merci à eux, c'est très sympa, on ne leur avait rien demandé du tout. Eh bien, ils l'ont fait, ils nous ont envoyé ça. Voilà, merci à eux, Pure Jingles. Une autre annonce, c'est celle du retour des Radio Days Europe. Les Radio Days Europe, c'est l'une des plus grosses conférences radio au monde. Ça se passe du 17 au 19 mars 2024 à Munich, en Allemagne. Alors, comme chaque année, Des Ondes Vocast et partenaires presse, on sera sur place et on vous fait bénéficier d'une promo de 10 à 15% sur le billet d'entrée. Il vous suffit d'utiliser le code promo DOV24MUN. DOV comme Des Ondes Vocast, 24 comme 2024 et MUN comme Munich, M-U-N. Des Ondes Vocast, l'actu débat. Et il y a d'autres salons qui arrivent très bientôt à Paris en français. Tout d'abord, Innove Audio, ça aura lieu le 6 décembre prochain, donc dans quelques jours seulement. C'est organisé par l'ACPM et par Médiamétrie. Alors, une touche assez digitale dans le contenu des conférences de ce salon. Et c'est un événement gratuit, mais les places sont limitées, donc il faut vous inscrire vite sur leur site. Et on en parlait le mois dernier, le Paris Radio Show revient les 6 et 7 février prochains à Paris. Bonjour Philippe Chapeau. Salut Olivier. Le Paris Radio Show revient donc en février à Paris dans un nouveau format. Explique-nous ce qu'est le nouveau Paris Radio Show version 2024. Alors on est très heureux que le Paris Radio Show revienne en février et à la Bellevilloise qui est un nouveau lieu assez atypique, assez convivial et on a concocté avec Nicolas Moulard et Brûle la Tour et l'équipe des éditions HF un programme assez original avec des formats un peu différents de panels, de conférences sous forme d'expériences et de meet-up qui vont rythmer un peu ces deux jours du salon avec des espaces et des bars à chaque étage et des espaces qui vont nous permettre de pouvoir faire beaucoup plus de networking, de rencontres entre tous les acteurs et tous les passionnés d'audio, de radio, de podcast natif, d'audio digital. Donc un rendez-vous à pas manquer cette année parce qu'il va être un peu spécial et unique et on l'espère en musique également pour la nocturne qui aura lieu le mardi soir. Quelles seront les grandes thématiques couvertes durant les conférences ? On va parler d'adtech bien entendu, de monétisation, d'audience et de stratégie, d'audio féminin pour les acteurs de l'audio. De communication, de marketing, de DAB+, avec le déploiement du DAB+, en Afrique, de la diversité, de la francophonie, de l'IA, bien entendu, l'IA audio qui fait beaucoup parler de lui. On a une partie aussi musique, tech, podcast, bien entendu, et puis RSE, climat, de l'habillage avec les jingles et la partie musicale, et puis tout ce qui est workflow sur la partie technique. Donc on va couvrir un peu tous les secteurs dans ces différents formats qui sont les panels, les expériences et les meet-up. Le Paris Radio Show, c'est aussi le rendez-vous de tous les professionnels radio en France avec de nombreux exposants. Alors que faut-il faire pour être présent sur le Paris Radio Show ? Alors pour être présent au Paris Radio Show, il y a deux solutions. Soit on est fournisseur et donc on peut tout simplement participer en tant qu'exposant, sponsor ou partenaire. Et si on est fournisseur et qu'on n'est ni partenaire ni sponsor, on a lancé un nouveau concept qui est le participant VIP. Qui permet à un fournisseur qui n'est pas exposant, qui n'est pas partenaire, de payer son accès pour pouvoir rencontrer les radios, les éditeurs et tous les visiteurs du salon et les autres exposants.
Et puis pour les éditeurs, c'est-à-dire les radios, ceux qui sont salariés des stations, les podcasteurs indépendants, les studios de production, tous ceux qui sont dans l'édition de contenu, ben c'est gratuit. Donc soit vous avez un lien qui vous est envoyé par un partenaire ou un exposant ou un sponsor, ils ont un lien tous, un lien privé qui vous permet d'accéder à la demande de badge gratuit, soit vous faites la demande sur le formulaire du site. Ça ne garantit pas que vous ayez un badge, parce qu'on vérifie que vous ne soyez pas un fournisseur, mais ça vous permet d'avoir un lien d'accès vers le badge après que vous ayez rempli le formulaire. Et bien entendu, si vous n'avez pas de message de notre côté, c'est que vous pouvez rentrer au salon sans aucun problème. Voilà, donc une petite évolution sur l'entrée au salon, mais vous êtes tous les bienvenus. Et n'hésitez pas à nous contacter si vous vous posez des questions pour savoir si c'est gratuit ou payant pour vous. Voilà. Merci Philippe Chapeau. Alors, toujours dans l'actu des salons, le mois dernier avait lieu le salon Médias en scène, toujours très très fourni en débats de grande qualité et avec de nombreux hauts dirigeants des médias. Alors, il y a la télé, mais il y a aussi la radio. Et parmi tant d'autres, il y avait une table ronde sur le thème « La radio après la FM ». Alors, tous les grands acteurs du paysage radio y étaient représentés. Et il y avait plutôt un bon alignement entre concurrents et bien sur les sujets habituels, le support au DAB+, mais seulement en complément de l'AFM et pas en remplacement, le problème pour les radios locales du découpage trop gros des plaques du DAB+, qui ne permettent pas de faire des micro-décrochages aussi précis qu'en FM, le besoin de réformer les quotas de chansons françaises et aussi les mentions légales dans la pub radio et bien qui prennent beaucoup de temps publicitaire. Aussi, la force de l'écoute à la demande face au changement des habitudes d'écoute et la baisse notamment de l'écoute en linéaire, comme on le voit dans les derniers sondages, ou encore la maîtrise de la diffusion des radios et de leur replay sur les plateformes tierces comme TuneIn. Alors, toutes les conférences sont à réécouter sur la chaîne YouTube de Médias en scène. Il y a des heures et des heures d'écoute, mais c'est passionnant. Et encore une fois, les intervenants sont de très haute qualité. Alors, allez-y. Des ondes vocastes. Dans l'actu du mois dernier, il y avait aussi les derniers résultats de l'audience radio, toujours en baisse en global, mais avec quand même pas mal de radios qui ont redressé la tête, et notamment Europe 1. On en parlera tout à l'heure avec notre grand invité Thierry Moreau. Il sera interrogé par Julien Vigier. Et justement, Julien vient d'arriver. Salut Julien, assieds-toi. Alors je rappelle à nos auditeurs, tu diriges VO2X, société de production de contenu audio. Et comme chaque mois, tu nous livres tes carnets d'écoute. Et tu commences avec Passe Pro, qui, clarifions-le tout de suite, n'a rien à voir avec la version premium du Passe Navigo. Non, rien à voir avec le Passe Navigo qui va coûter une blinde cet été pendant les Jeux Olympiques. Passe Pro, c'est un podcast et ça vous emmène dans les coulisses de l'industrie musicale avec des interviews de personnalités qui œuvrent au succès des artistes qu'on voit dans les festivals ou qu'on écoute à la radio. Et ça sent le vécu. Pourquoi ? Parce que c'est présenté par Mélodie, qui, elle, a travaillé en maison de disques pendant des années. Et elle reçoit des invités qui sont, on l'imagine, des amis à elle. C'est ultra intéressant, surtout pour qui a bossé en radio, qui connaît un peu l'univers de la musique et de son industrie, surtout. Il y a des épisodes qui partent dans tous les sens. Les coulisses de Solidays, par exemple, via le prisme de la chargée de communication. Alors, vous allez voir, vraiment, c'est incroyable de savoir comment ça se passe, Solidays. Les anecdotes sont folles. Il y a aussi des interviews comme des chefs de projet en maison de disques qui vous expliquent comment construire la carrière d'un artiste français à l'étranger. On écoute des spécialistes de l'identité sonore des marques. Bref, c'est un gros coup de cœur et en plus, c'est bien enregistré. Le son est top, les invités sont là en physique, le générique est sympa. Big up à Mélodie pour le boulot. Le podcast s'appelle Passe Pro. Et maintenant, direction le morning d'une radio du GIE, une des radios les plus connues de France. Alban, Elvis et Théo aux infos, c'est le morning de Vibration. Alors, c'est pas des tout jeunes. Enfin, pour Théo, je sais pas. Mais en tout cas, pour Elvis, il était sur Vibration dans les années 2000. Et l'autre matin, il a dit qu'il était né en 1971. Alban, moi, je l'ai connu en 2013, je crois, quand je bossais à l'époque à 8FM. Elle était partie faire le morning de Voltage. Ensuite, elle a bossé sur 8, sur Vibra une première fois.
Bon, bref, moi, j'adore Alban. Elle le sait, hein, elle a une voix, une personnalité qui fait tout de suite la différence. Ça sent très, très fort la radio. Hein, c'est ça qu'on aime. C'est elle, Alban, qui lead le morning. Ça passe très bien avec ses acolytes Elvis et avec Théo. Il y a beaucoup de sourires dans tout ce qui est raconté, mais c'est jamais forcé. Ça, c'est sans doute parce qu'en fait, ils savent faire de la radio depuis longtemps, Elvis et Alban. Donc, du coup, c'est pas vraiment speed, hein, comme plein de morning. Et puis Alban, elle a ce petit truc, on dirait qu'elle est en dilettante. Et Elvis, on profite pas non plus pour tirer la couverture à lui. Donc c'est un duo qui fonctionne plutôt bien, qui peut être de temps en temps pince sans rire. Et ça, on apprécie. Alors après, horoscope, humour, jeu, actualité, sondage. Bon, c'est un morning de radio B avec un bon traitement de son sur les micros. Pas novateur, pas révolutionnaire, mais quand même vachement bien foutu. Merci Julien. On te retrouve tout à l'heure avec Thierry Moreau. Alors... épisode de décembre, ça veut dire qu'on approche de Noël et on a repéré une radio temporaire consacrée à Noël. C'est Azur Noël, c'est très rare en France. Bonjour Franck Gel. Bonjour. Tu es le directeur d'Azur FM. Alors avant qu'on parle d'Azur Noël, dis-nous un peu ce qu'est Azur FM. Azur FM, c'est une radio associative qui est implantée sur à peu près toute l'Alsace avec différents services. Donc il y a des programmes qui sont adaptés en fonction des différents territoires. Des programmes pour le sud de l'Alsace, pour le centre Alsace, et des programmes pour le nord de l'Alsace avec des magazines, de l'information qui est un petit peu thématique et adaptée aux auditeurs et aux attentes des auditeurs sur leur bassin de vie. Et d'ailleurs, si je ne m'abuse, Azur FM est l'une des radios associatives qui fait le plus d'audience en France. Oui, je crois que c'est une des radios les plus écoutées, en tout cas en termes de pourcentage, en taux de pénétration, oui, c'est probablement la plus écoutée en France. C'est aussi, pour avoir vérifié quelques chiffres, la plus écoutée en Alsace et en Grand Est. On a une audience effectivement qui est assez conséquente et une adhésion de la part du public, des auditeurs qui sont en demande de ce type de programme, véritablement associatif et interactif. Alors Franck, la raison pour laquelle on t'a appelé, c'est parce qu'on est en décembre, Noël arrive et Azur FM se démarque parce qu'elle lance une radio temporaire consacrée à Noël. Alors c'est assez rare, voire très très rare en France, alors qu'on voit beaucoup ça dans les pays anglo-saxons, notamment chez nos amis britanniques, où à peu près toutes les grandes marques de radio nationale lancent une radio de Noël sur le DAB. Et c'était assez rare en France, et bien vous l'avez fait, vous avez réussi à avoir une fréquence temporaire en FM pour lancer Azur Noël. Tu peux nous expliquer le pourquoi de ce projet ? Quel est son but ? Tout d'abord, première chose, moi, à titre personnel, j'ai vraiment un grand affect avec ces festivités de Noël. Je trouve que c'est un temps qui est important, c'est un temps de solidarité, on court toute l'année, et c'est une période où on peut, au moins pendant quelques jours, se poser un petit peu, rencontrer ses proches, échanger. Donc je voulais qu'on essaie de s'impliquer un petit peu plus dans le cadre d'un partenariat que nous avons mis en place pour la toute première fois, parce que Azur FM est implanté depuis un an et demi seulement sur le nord de l'Alsace, sur Agneau, sur l'agglomération, en DAB exclusivement. Il y avait cette volonté de développer, de tisser vraiment une relation de partenariat avec la ville et à l'agglo sur ces festivités de Noël. Et puis l'idée, c'était donc du coup d'aller plus loin que le simple partenariat de visuel et de spot, et de créer véritablement un programme qui soit une radio à part entière, dans laquelle on y intègre une information exclusivement axée sur les animations, les activités de Noël. D'une temporaire, ça avait ceci d'intéressant, c'est que les festivités de Noël, surtout en Alsace, durent quand même de fin novembre jusqu'à fin décembre, voire début janvier, pour les derniers rendez-vous. C'était donc l'occasion de créer une radio en FM 99.2 et de donner rendez-vous au public pour avoir véritablement ces festivités de manière quotidienne. Alors donc, le suivi des festivités et j'imagine aussi un programme musical dédié à Noël. Un programme musical qui reflète tout d'abord la couleur d'Azur FM. L'idée, c'est aussi de présenter la marque au public pour ceux qui n'ont pas, par exemple, le DAB+, et leur présenter la marque Azur FM. C'est une action de notoriété évidente. Ensuite, bien sûr, on y rajoute les grands classiques de Noël. Il y en a un certain nombre. Il y a des tranches horaires dans lesquelles la musique et la thématique Noël y est
beaucoup plus présente. C'est notamment le cas de 10h jusqu'à 13h, une période où notamment la radio est aussi diffusée sur le marché de Noël et partout en centre-ville à Haguenau. D'accord. Alors, quelle suite pour ce projet après Noël ? On prendra rendez-vous l'année prochaine, dès à présent, pour une nouvelle édition d'Azur Noël sur Haguenau. On a développé des outils de communication, on a développé une relation avec plein d'acteurs. On sera présent à nouveau pour 2024 avec ce rendez-vous. C'est plus difficile de proposer des rendez-vous ponctuels à d'autres moments de l'année parce que ce ne sont pas des rendez-vous sur une durée aussi longue. Développer une radio, développer un programme, fabriquer son contenu, ça nécessite du travail, ça nécessite du temps. Il faut quand même qu'on ait une période de diffusion qui soit suffisamment longue pour que ce soit viable et intéressant. C'est le cas là, en l'occurrence, pour Noël. Vous pouvez écouter Azur Noël dans la région de Haguenau sur le 99.2, c'est jusqu'au 6 janvier 2024, et vous pouvez aussi l'écouter en ligne et sur l'application d'Azur FM. Merci Franck Gel. Merci. Alors, avant de retrouver l'interview de Thierry Moreau, on accueille Rémi Bertolon. Rémi, tu produis le voice track Rémi et Jam, diffusé par plusieurs radios en France, et tu es allé chercher un peu de chaleur en Polynésie française avec ton invité. Tu reviens d'un voyage, c'est ça ? Alors non, moi, je n'ai pas eu la chance d'y aller. C'est un pote de radio, Stéphane, qui m'a donné envie d'ailleurs de me déplacer là-bas. Et du coup, je me suis rapproché de Kevin, qui est animateur sur Radio 1. Avant de partir direction Tahiti, eh bien, découvrons Radio 1 avec tout d'abord les infos. C'est une place importante là-bas. Beaucoup de sport dans ce journal, avec notamment les premières médailles polynésiennes des Jeux du Pacifique. On parlera aussi politique avec Tevaiti Pomare et environnement avec la FAPE. La recette du jour avec un bel accent, tiens, sur Radio 1. Yorana tout le monde, c'est Mariata, bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, au niveau de la recette, eh bien, je vous propose quelque chose d'assez estival, puisque nous allons cuisiner le melon et les jambons pour en faire une belle salade. Et je vous jure que c'est une recette au mois de novembre-décembre, hein, donc c'est vraiment complètement en décalage. On rejoint tout de suite Tahiti sur Radio 1. Il y a Kevin Gazo qui nous attend et c'est l'animateur de la matinale entre 5h et 8h. C'est un petit peu plus tôt que côté métropole. Salut Kevin. Yorana. Bah oui, je vais le dire en mode tahitien forcément. Bonjour. Mais ouais, c'est ça qui est sympa. Bon, comment sont les auditeurs, tiens, du côté de Tahiti, raconte-nous. Alors, il faut savoir un truc. Ici à Tahiti, je pense que ça aide beaucoup au final. Puisque là, les sondages sont tombés et on gagne des auditeurs comparé à la métropole où on perd des auditeurs. Et non, ici, on gagne des auditeurs parce qu'on a un avantage, c'est qu'il y a très peu de routes. Donc le matin, ça bouchonne énormément. Les gens passent facile 2-3 heures par jour sur la route. Donc du coup, beaucoup sont branchés sur les radios. Donc c'est plutôt positif pour Tahiti et la Polynésie française en général. Effectivement, c'est les bouchons, c'est génial. Soit c'est les bouchons, soit c'est la neige. Mais vous, c'est peut-être plus Exactement. Les bouchons. Alors ouais, la neige ici, ça n'existe pas. Mais ouais, les bouchons le matin, c'est infernal. Des fois, c'est 2-3 heures de bouchons. Quoi. Il suffit qu'il y ait un accident et c'est toute la matinée qui s'est bloquée, jusqu'à même des fois 10, voire 11 heures. Alors toi, tu bosses à Radio 1, donc vous reprenez le programme en partie d'Europe 1. Alors nous, on a, par exemple, sur la matinale, on a un point info toutes les demi-heures. On alterne entre infos locales avec les journalistes de Radio 1 et puis bien sûr les infos nationales et internationales avec Europe 1. Comment vous gérez d'ailleurs justement ce décalage horaire qui est assez impressionnant Alors l'avantage c'est qu'au final, nous les heures où on passe Europe 1, c'est pas gênant puisque les Europe 1, faut le dire, hein, ils ont des infos toutes les heures, voire même, ouais si c'est toutes les heures quasiment. Du coup, on ne ressent pas le décalage. Oui, c'est ça. Quoi qu'il arrive, en fait, tu passes le flash qui est diffusé en métropole. C'est ça. Bah ouais, nous les infos, voilà, les infos de j'en sais rien, je vais prendre un exemple, mais moi, en tout cas, le matin, à 7h, alors on diffuse à 7h30, mais du coup, c'est les infos avec le décalage horaire, de 18h. Pour vous en métropole. Alors, vous faites aussi des délocs. J'ai vu, par exemple, l'avenue de Francis Cabrel. Et du coup, tu as fait l'interview en direct. Ouais, Alors, le Francis Cabrel, on l'a reçu. En fait, il faut savoir que la boîte où on est, ici, Radio 1, on est aussi organisateur des gros événements à Tahiti. On a fait venir Gims l'année dernière.
C'est Yann Roumanos, il y avait également, là on fait d'ailleurs cette expérience, on a fait Francis Cabrel là, il y a quelques semaines. Et oui, du coup, on l'a reçu sur Radio 1 en interview, délocalisé parce que bah, c'était à l'hôtel, c'était sympa aussi de faire de la déloc, c'est sympa. Et ouais, c'était un très, 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 très bon moment d'antenne et pour mon CV. Et justement, ça donnait ça. Mais est-ce que le fait de publier ce titre sur le label de votre fille, c'est une sorte de passation de flambeau au final ? Ben, je ne sais pas encore, ça pourrait y ressembler, mais je crois que je vais quand même me remettre au travail et me réatteler à l'écriture de 10-12 chansons, et puis après on verra ce qui se passe. Bon, en tout cas, c'est classe d'être là-bas quand même pour faire de la radio. Et faire de la radio à Tahiti, c'est juste incroyable. Une méthode. Bon, ben, bon retour en métropole, je sais que toi, tu es sur un autre projet aussi. Je te souhaite de belles choses, et puis à très bientôt, Kevin. Il n'y a pas de souci, à bientôt. Et maintenant, c'est l'heure de notre grande interview. Julien Vigier reçoit Thierry Moreau. Des ondes Vocast, l'invité. Il est connu de tous comme un expert des médias, longtemps directeur de la rédaction de Télé 7 jours. Il aime la radio, il en fait d'ailleurs de la radio. On est très content de retrouver Thierry Moreau dans le podcast Des ondes Vocast, le podcast qui parle de l'actualité de la radio. Bonjour Thierry Moreau. Bonjour. Alors personnellement, j'ai connu un Thierry Moreau à la radio il y a de ça quelques années. Sur Totem en Aveyron, car figurez-vous Thierry que j'étais à l'époque sur cette radio en tant qu'animateur aux côtés de David Martin. Et moi c'est mon souvenir de Thierry Moreau à la radio, ça, c'était quand ? C'était au milieu des années 2000 ça ? Est-ce que ça continue toujours d'ailleurs sur Totem ? Ça continue toujours. Incroyable. En fait, j'ai eu cette chronique quand j'étais patron de Télé 7 jours, hein, quand je suis arrivé en 2000... En 2006 à Télé 7 jours, ouais. Et en fait, ayant quitté Télé 7 jours en 2018, j'ai continué à faire cette chronique parce que d'abord j'ai beaucoup d'affection pour David qui dirige cette radio, j'ai beaucoup d'affection pour la radio elle-même, et puis j'ai pris l'habitude de le faire, donc je continue, ça va donc faire bientôt 15 ans que je continue, donc je suis plutôt content de faire cette chronique quotidienne et c'est très agréable. Mais c'est ma toute première expérience de boulot est à la radio parce qu'en fait j'ai participé. Je suis un ancêtre, maintenant j'ai 59 ans, au lancement des radios libres. Et donc en 80, j'ai participé au lancement d'une radio libre en Vendée, parce que j'étais vendéen. D'accord. Qui s'appelait Radio Sud-Vendée Picton. Et donc j'étais encore au lycée et je faisais de la radio. On lançait beaucoup de disques hein, en fait à l'époque, on lançait surtout ça. Mais avec des potes, ça a été ma toute première expérience à la radio. Et c'est vrai que ça m'a toujours donné l'amour de ce média que j'aime beaucoup. Totem, Télé Moreau. Pendant la crise Covid, on a beaucoup parlé des infirmières qui étaient en première ligne, d'abord dans la lutte contre le Covid, dans la vaccination, et puis aussi parce qu'il fallait s'occuper des gens malades à l'hôpital, et c'est des gens qui n'ont cessé de travailler, qui ont été au front, et puis surtout on s'est aperçu qu'elles étaient très très mal payées. Infirmières, notre histoire est un très beau documentaire, c'est sur France 3, et c'est à ne pas manquer. Les radios libres, Totem en Aveyron, et puis bien sûr le grand direct des médias avec Jean-Marc Morandini sur Europe 1. Absolument, j'ai remplacé Jean-Marc Morandini en 2010 pendant l'été du grand direct des médias. Je l'ai fait qu'une année parce qu'après j'avais pas assez de temps entre ce que je pouvais faire par ailleurs et ce que je faisais aussi à TPMP entre temps, donc j'ai pas pu le refaire les étés suivants. Alors on va reparler d'Europe 1 dans quelques secondes, mais d'abord j'aimerais savoir si Thierry Moreau est heureux sur RMC aujourd'hui avec Estelle Denis et sa bande. Bon, moi je pense que oui, en tout cas c'est comme ça que je l'entends quand j'écoute la radio en début d'après-midi. Racontez-nous comment se passe cette émission et quel est votre rôle. Alors, très heureux parce que c'est une bande qui fonctionne bien. C'est que la difficulté en fait quand on crée une émission comme ça, de créer une bande, c'est que la bande fonctionne, et c'est pas facile. Il y a des gens qui savent bien créer des bandes, Laurent Ruquier, Cyril Hanouna dans son genre aussi. Mm-hmm. Et c'est vrai qu'Estelle, elle a su créer cette bande sur RMC qui fonctionne très très bien. En fait, moi je venais d'arrêter LCI où j'étais avec Audrey Crespo-Mara de 10h à midi en télévision, et donc j'ai eu cette proposition d'Estelle de participer à une nouvelle émission puisqu'elle prenait l'antenne en fait de midi à 15h tous les jours, et elle me proposait d'y être deux fois par semaine comme chroniqueur autour de la table. Donc moi ça me plaisait plutôt.
Ceci près que, d'abord, j'avais jamais fait de radio sur RMC, c'était la première. Alors, c'est pas tout à fait vrai, en fait, parce que le tout premier stage que j'ai fait quand j'étais étudiant en journalisme à Bordeaux, c'était à la radio RMC, on était en 84, et la radio RMC, à l'époque, était située rue Magellan, dans le 8e arrondissement de Paris, c'était un hôtel particulier, et j'avais commencer à faire un tout petit peu de radio. Alors en fait, je déchirais les dépêches dans la journée et j'avais le droit de faire du reportage le soir. Donc ça, c'était assez génial. Donc c'était en fait mon retour à RMC pas mal d'années après, on va dire. Et donc le défi d'Estelle, c'était de faire une bande qui parle de l'actualité, mais un peu différemment de ce que pouvaient faire les grandes gueules juste avant, c'est-à-dire en étant un petit peu plus sur la vie quotidienne des gens. Néanmoins, Thierry Moreau, effectivement, la bande, elle est composée de journalistes qui étaient, pardon de le dire, mais dans des cases qui, elle les a fait un peu exploser. C'est le cas pour vous, par exemple, de spécialistes des médias, ça a longtemps été quand même votre hashtag, on va dire, et maintenant, ça discute des faits de société, de la politique, des faits de... qui font l'actualité, en fait. Et ça, c'est quand même nouveau. Alors, j'avais un petit peu élargi mon champ quand j'étais sur LCI avec Audrey, qui m'avait permis de sortir un petit peu de mon champ uniquement sur les médias. Mais c'est vrai, c'était nouveau. Et surtout, ce que j'ai dit à Estelle au début, c'est que moi, je pense que mon avis n'intéresse personne, l'avis de Thierry Moreau. En revanche, ce que j'essaie de faire, c'est un peu ma déformation de journaliste, c'est d'essayer d'apporter quelque chose pour que l'auditeur puisse se faire une opinion et puisse se faire sur un débat précis, pouvoir peser le pour et le contre, avoir un avis construit. Donc à chaque fois, au-delà de l'avis que je donne, j'essaie surtout de donner des éléments pour que le téléspectateur, et surtout l'auditeur, puisse se forger un avis construit. Alors, ça peut être de rajouter un sondage, ça peut être de contextualiser, de redonner un exemple, de donner un exemple historique, parce que moi, je suis parmi les plus vieux de la bande, etc., etc. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir une démarche journalistique et pas juste donner son avis en tant que chroniqueur. Est-ce qu'il y a des personnages ? On dit souvent que dans une émission de bande, il faut quand même penser avant tout aussi à mettre des personnages parce que ça fait bien pour l'auditeur de s'identifier au ronchon, à celui qui aime l'histoire, à celui qui est tout le temps content. Est-ce que c'est un peu le cas, sans dévoiler peut-être les coulisses de l'émission, mais c'est un peu ce que je vous demande de faire. Est-ce qu'il y a de ça chez Estelle Midi ? Alors, pas vraiment, il n'y a pas cette volonté-là, même si au fil des semaines et des mois, on acquiert évidemment une image, ou plutôt comme on est en audio et en radio, c'est plutôt une tonalité. Moi, je suis plutôt quelqu'un qui suis posé par rapport à certains qui sont plus emportés que moi, mais je pense que c'est plus intéressant pour l'auditeur. D'abord, souvent, quand on s'engueule, l'auditeur n'entend plus rien, mais surtout, je pense qu'il faut, sur tous les débats, avoir de la mesure et essayer de peser le pour et le contre à chaque fois. Alors, en revanche, cette histoire de personnage, elle était très vraie sur TPMP. Et c'était pas du tout le cas au tout début, mais au fil des émissions et au fil des années, on avait vraiment chacun notre personnage. Moi, j'étais celui qui était un peu chiant, qui rentrait le week-end chez lui pour faire de la bouffe pour ses amis et qui s'occupait de ses poules. Jean-Michel, c'était celui qui sortait tout le temps, etc. Ouais, on avait vraiment, c'était presque une sitcom quotidienne. C'est beaucoup moins le cas chez Estelle, mais en revanche, il y a un dosage. C'est vrai que il y a des gens qu'elle met pas ensemble parce qu'on serait tous d'accord. Comme elle commence à bien connaître nos profils, elle essaie de varier un petit peu les choses pour qu'on soit pas uniformément d'accord autour de la table. Donc oui, on a effectivement de fait au fil des mois un profil en fait, et il y a des auditeurs qui se reconnaissent ou pas dans le profil. Voilà. Mais c'est pas voulu. Enfin, c'est pas un choix délibéré. Je pense qu'elle veille à un équilibre des opinions, très clairement, mais je suis pas sûr qu'elle veille à l'équipe de la création de personnages. En tout cas, c'est pas voulu. Elle anime très bien, enfin ça c'est mon point de vue, elle anime très bien ce genre d'émission, c'était le cas à la télé hein, quand elle faisait ça autour du football. Mais elle anime bien, franchement, c'est être dans un fauteuil en fait que d'arriver à RMC, s'asseoir et puis hop, partir pendant 3 heures avec Estelle Denis. Alors, pas tout à fait, pour deux raisons. D'abord parce que Estelle est une grosse bosseuse, elle est là très tôt le matin, même quelquefois je crois qu'elle arrive avant même les gens des grandes gueules, parce que c'est une immense bosseuse. C'est-à-dire que par exemple, je sais que moi de temps en temps le soir, je lui envoie un article en lui disant « tiens, ça serait peut-être bien pour l'émission », 9 fois sur 10, elle l'a déjà vu. Donc c'est une boulimique de boulot, une boulimique d'infos, ça c'est un premier, point. Et deuxièmement, moi j'essaie d'arriver justement en ayant bossé un peu les sujets.
pour deux raisons. D'abord parce qu'il y a des sujets que je maîtrise pas forcément, et quand on veut donner un avis et argumenter et donner des éléments sur un dossier d'actu, bah vaut mieux se documenter un petit peu avant. Ce matin, on avait plusieurs sujets divers et variés, et c'est vrai qu'il y a certains sujets, il faut se replonger un petit peu dans les dans l'actualité pour lire un petit peu les tenants et les aboutissants, pour donner un avis construit et puis pour donner des éléments pour l'auditeur. Donc ça demande quand même du travail. Moi, j'arrive en général, je commence à lire la presse chez moi vers 8h, je décolle de chez moi vers 9h, j'arrive vers 10h au bureau et je prépare l'émission jusqu'à midi. Voilà, c'est à peu près comme ça que je fais. Et ensuite, on est à l'antenne de midi à 15h. Après, d'autres chroniqueurs ont plus une fonction de donner leur avis sans... De manière un peu plus instantanée, d'accord, oui. Mmh. Voilà, mmh. De manière plus instantanée. Mmh. Chacun voit un peu midi à sa porte, mais c'est justement ce qui fait la diversité de l'émission. Alors, c'est une émission qui marche très bien. Ça a été un pari de la part d'RMC, pari converti en audience. L'actu de la radio, ce sont ses audiences, ce sont ses sondages. Bon, pour Estelle Denis, ça marche bien. Moi, j'ai une question, peut-être que Thierry Moreau peut nous répondre. Pourquoi la radio concurrente d'RMC, l'une des radios concurrentes d'RMC, c'est-à-dire France Inter, France Inter, ça marche aussi bien et ça continue d'écraser la concurrence? On a l'impression que c'est sans fin, cette histoire, et que les autres ont un peu de mal quand même. Alors, je pense qu'il y a plusieurs explications à ça. La première, c'est que France Inter creuse ce sillon depuis longtemps, c'est-à-dire qu'ils ont une grille solide, qu'ils continuent de construire pierre après pierre et de manière plutôt intelligente. L'actualité les a beaucoup favorisés aussi. C'est vrai que quand on a besoin d'actu, on aime bien aller sur des médias de référence. Et je pense que Radio France, sur toute cette antenne, mais France Inter en particulier, est une référence. Et donc, quand il se passe quelque chose en Ukraine ou quand il se passe quelque chose en Israël, on va plutôt vers des radios comme ça qui sont considérées comme sérieuses par l'auditeur. Il y a moins de pubs aussi. Je pense que ça, c'est un vrai élément aujourd'hui dans notre société de surconsommation, un endroit où il y a un peu moins de pubs, enfin où il n'y a pas de pubs, ou en tout cas très peu. Ça fait un peu du bien, ça, notamment sur les jeunes générations. Je pense qu'il y a une sorte de refus un peu de la... pas de la pub en général, mais de la sur-pub en fait, de la surabondance de pub. Et donc ça, je pense que c'est sur les générations jeunes, c'est aussi pour ça qu'elles se tournent vers les podcasts. Puis dernier élément quand même, c'est la faiblesse des concurrents. C'est-à-dire qu'on voit qu'RTL est à la peine parce qu'ils ont été la première radio de France pendant longtemps et que maintenant, ils ont beaucoup joué la synergie avec M6. Les nouveautés sur RTL, c'était souvent des gens qui étaient déjà des figures de M6. Donc il y a une sorte de synergie obligée qui fait que c'est pas toujours pour le bien de l'antenne. Il faut savoir investir sur l'antenne plus que gérer. Quelquefois, il faut savoir dépenser de l'argent sans trop savoir si on va avoir un retour sur investissement. Mmh. Et sur RTL, ils sont plutôt dans une phase de gestion pure et dure. Mais pour des raisons financières aussi, Une gestion financière, parce qu'on sait que Nicolas Taverneau gère le groupe M6 RTL de manière très très dure. Donc c'est vrai que très serré. Et donc, de temps en temps, faut être capable de mettre un petit peu de sous sur la table pour miser et voir ce que aujourd'hui ne fait pas forcément RTL toujours. Et est-ce que le mot Europe 1 est parti comme ça un petit peu dans la bouche de Thierry Moreau d'un coup? Ça s'est repositionné pour plein de raisons, principalement avec Vincent Bolloré derrière. Donc forcément, il y a un repositionnement tel qu'on le connaît, c'est-à-dire stratégique et politique. Ça commence à remonter avec des succès type Pascal Pro, qui visiblement lui est arrivé avec ses auditeurs dans la valise. Par contre, Thierry Moreau, il y a une personnalité forte de la télé, c'est Sophie Davant. Et là, la mayonnaise n'a pas vraiment pris sur Europe 1. Sur Europe 1, plus généralement, je pense que maintenant, on sait exactement ce qu'on a sur Europe 1. C'est-à-dire que le problème des radios, et des télévisions d'ailleurs, comme les chaînes Tout Info, c'est quand on ne sait pas pourquoi on est sur une radio et la ligne éditoriale précise de la radio, on est un peu perdu. LCI pendant longtemps s'est cherché, maintenant ça y est, ils sont sur l'international. Et ça fonctionne. C'est très clair. Voilà. Et Europe 1, c'est pareil. Pendant longtemps, ils se sont cherchés et ils trouvaient pas. Là, maintenant, ils ont un positionnement qui est clair, net, précis, et donc ils y vont. Après, en ce qui concerne l'installation de nouvelles émissions, moi, j'ai toujours un principe que j'ai toujours vu en radio. La première année, on vide la salle. La deuxième année, éventuellement, on stabilise. Et la troisième année, si on a de la chance, on augmente. Donc, je pense
pour Sophie, qui arrive sur un nouveau créneau et en plus sur un horaire extrêmement disputé, parce qu'il y a en face quand même les grosses têtes qui sont un mastodonte de la radio, très logiquement, ça va mettre du temps à s'installer. Ça va mettre du temps à s'installer parce qu'il faut créer la bande, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Une bande, ça se crée au fil des mois. Nous, à Estelle Midi, on a mis plusieurs mois à la construire, cette bande, et puis aujourd'hui, elle fonctionne. Ben, je pense qu'il faut que Sophie construise sa bande, il faut qu'elle trouve son ton également, c'est-à-dire le jeu, apprendre des choses en écoutant la radio, et donc creuser sa différence avec ce qui peut se faire ailleurs. Et ça prend forcément du temps. Vous êtes bien placé pour savoir, la radio est un média d'habitude. Alors, et donc, quand on bouleverse ses habitudes, même si on change quelquefois de petites choses, on bouleverse un peu l'auditeur. Alors, c'est drôle parce qu'en parlant de sondage à la radio, on dit souvent que la radio perd des auditeurs. C'est souvent les gros titres, c'est ça. C'est la radio a encore perdu deux auditeurs. Ce qui est vrai, hein, de toute façon. On le dit moins, oui. On le dit moins de la télé, qui pourtant perd des téléspectateurs. Oui. Est-ce qu'on n'est pas un peu plus gentil avec la télé, Thierry Moreau? Je pense que c'est pas qu'on est plus gentil avec la télé, c'est qu'on intègre plus facilement, quand on regarde l'ensemble de la consommation télé, les consommations alternatives, c'est-à-dire via les replays, les plateformes, etc., qu'on ne le fait avec la radio. Or, aujourd'hui, la radio est en train de subir ce que la télé a commencé à subir il y a quelques années, c'est-à-dire une consommation délinéarisée. C'est-à-dire qu'il y a d'abord, il y a toujours 38 millions de Français qui écoutent la radio. C'est quand même un truc énorme. Un média qui rassemble 38 millions de Français chaque jour, c'est quand même un truc énorme. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est l'explosion des podcasts. Le podcast, c'est quoi? C'est une consommation délinéarisée de la radio. Et donc, on va intégrer très très vite, ça va prendre encore quelques mois, mais dans la réflexion et l'appréhension du média dans sa globalité, on va intégrer les podcasts. Moi, par exemple, il y a une émission que j'écoute sur Europe 1 quasiment tous les jours, c'est Christophe Ondelat, sauf que je l'écoute toujours en replay. Jamais en direct. Et c'est très très bien placé dans le classement des podcasts en France. Hein. On la raconte, évidemment. Tout à fait. D'ailleurs, ils ont fait une petite astuce depuis quelques semaines. Avant, il y avait l'histoire qui s'appelait Le Récit et Le Débrief, donc deux podcasts. Maintenant, il y a trois podcasts. Première partie du récit, deuxième partie du récit et Le Débrief. Ce qui veut dire que ça leur fait un podcast supplémentaire. Parce qu'il y a aussi une stratégie des radios. Alors là, franchement, Thierry, RMC, vous êtes les champions pour ça, pour saucissonner les podcasts. Alors, au début, c'est déroutant. Je sais qu'il y a une stratégie. Ça permet de s'adapter à la consommation de chacun. C'est-à-dire qu'il y en a qui voudront écouter les trois heures d'un replay d'une émission. Il y en a qui voudront écouter une heure, donc trois podcasts différents. Il y en a qui voudraient écouter le quart d'heure sur les grandes gueules, par exemple, avec chacun des sujets. Il y en a qui voudraient en écouter que les chroniques. Donc, sur une émission, vous avez quasiment une quinzaine de podcasts différents en termes de durée. Alors, évidemment, ça augmente les stats des podcasts de la radio, donc il y a évidemment une stratégie derrière. Mais surtout, ça permet de s'adapter à la consommation de l'auditeur qui peut picorer ce qu'il a envie de picorer. L'auditeur qu'on a placé aussi de manière un peu différente maintenant, parce que l'image, elle est incontournable, radio et télé se confondent, c'est très vrai pour RMC. Bah, vous le vivez au quotidien de toute façon, puisque bon, le studio de télé et radio, c'est le même en réalité. D'ailleurs, ça fait bizarre un peu au début de ne pas savoir où on est. Moi, je me suis toujours posé la question. Quand on arrive à TPMP, on sait que c'est de la télé, hein, pour le coup, il n'y a pas de surprise. Quand on arrive dans un studio type celui d'RMC, c'est de la radio, mais c'est filmé aussi. C'est curieux, comment ça se vit? Alors, en fait, ça se vit plutôt bien parce que moi, je suis parti du principe, notamment quand j'étais à TPMP, de ne pas faire attention aux caméras, c'est-à-dire d'être le plus naturel possible. Ça aide. Après, c'est au réalisateur de faire son travail et de faire en sorte que l'émission soit bien filmée. Et donc, très logiquement, aujourd'hui, je rentre dans le studio, je sais qu'on a plus d'auditeurs que de téléspectateurs, mais je ne fais pas attention aux caméras, franchement. C'est des petites caméras, ce n'est pas vraiment des grosses caméras non, de télé, non c'est... Si, quand même. C'est des grosses caméras qui sont fixes, pilotées, et il y a une Luma qui bouge pour avoir la scène d'ensemble de tous les chroniqueurs avec Estelle, et qui bouge et qui est pilotée par quelqu'un en direct. En fait, il y a un caméraman et toutes les autres caméras sont pilotées de la régie. C'est un tout petit peu plus sophistiqué que ce qui se passe à Europe 1, par exemple, où c'est des toutes petites caméras. En tout cas, à mon époque, c'était des toutes petites caméras. On fait pas trop attention à ça. Et je pense que c'est ça le secret, parce que on parle pas directement les yeux dans les yeux
du téléspectateur via la caméra. On dit ce qu'on a à dire et puis c'est capté de deux manières différentes et voilà, point. Quoi. Alors, toujours avec cette synergie, il y a ICI, cette nouvelle marque qui arrive avec fusion de l'actualité locale de France 3, de France Bleu sous forme de matinale. Enfin, on ne sait pas exactement encore jusqu'où ça va aller. Justement, est-ce que ça va marcher tout ça ou est-ce que c'est pas un peu la panique à bord du côté et de France 3 qui voit son audience se vieillir énormément et de France Bleu qui a du mal à décoller dans les sondages? Ils essayent de faire une synergie de tout ça pour accoucher de cette marque ICI. Je crois pas que ce soit de la panique, franchement. Je pense que c'est un processus qui va prendre du temps. Encore une fois, on est sur des médias d'habitude, hein, télé et radio. Donc quand on change quelque chose, on met du temps à retomber sur ses pattes, je dirais. Je pense que la logique, quand même, c'est la synergie. Parce que quelque part, France Bleu et France 3 font le même métier, sauf qu'il y en a un, c'est de la télé, l'autre, c'est de la radio. Donc la logique, c'est qu'il y a quand même des synergies. Mmh. Là où c'est compliqué, c'est que, par exemple, le générique historique de France Bleu, où on disait France Bleu, puis on donnait la radio derrière, voilà, disparaît. Et ça, je pense que, mine de rien, c'est un tout petit truc, mais qui peut déstabiliser beaucoup les auditeurs. Mmh. Il va falloir installer la marque ICI, donc ça va prendre du temps. Et surtout, il faudra bien que les téléspectateurs et auditeurs comprennent que bah, dans le même journal, vous avez des trucs qui sont fournis par la rédaction nationale et d'autres fournis par la rédaction locale. Avant, c'était très distingué. Maintenant, tout ça est pris en charge par le local et intégré aux journaux locaux. Donc, faut un petit peu de temps avant que tout ça se cale, mais je pense que ça va se caler très simplement. Du côté des équipes télé, du côté des équipes de France 3, c'est bien accueilli, c'est enfin. Non, je pense que tout changement est toujours mal accepté dans des grosses maisons comme ça. Donc c'est pour ça qu'il faut le faire avec prudence, avec tact, avec négociation, en prenant son temps, en essayant de ménager chacun et les susceptibilités des uns et des autres. Mais je pense que la logique, c'est le vent d'histoire, donc ça va se faire, ça sera plus ou moins facilement et plus ou moins rapidement, mais ça va se faire. Moi, je trouve que c'est, pour le coup, c'est plutôt une bonne logique, en tout cas une logique de bonne gestion des deniers publics. Voilà, le fait d'augmenter les synergies entre ces deux antennes. On va bientôt terminer cet entretien avec Thierry Moreau et sa passion à la radio. Mais avant, forcément, on est obligé d'en parler. Il est incontournable sur Énergie, c'est un ancien aussi de la télé. C'est une personnalité médiatique qui n'est plus à l'antenne en ce moment. C'est Coé, suite à l'affaire que tout le monde connaît. Alors, à votre avis, combien de temps ça va durer, cette absence de l'antenne d'Énergie? Combien de temps, surtout, ça peut durer? Là, on réfléchit aussi en termes d'industrie pour une radio comme Énergie. Comment ça va se passer? On est qu'en novembre, enfin décembre. C'est compliqué parce que c'est un peu comme l'histoire Plaza pour M6. Les deux étant intimement liés, Énergie et Coé sont liés depuis très longtemps. La tranche est sous-traitée à la société de Coé. D'abord, grande règle, puis on est tous bien placés pour le savoir dans ce genre de médias, télé ou radio, personne n'est irremplaçable. Ça, voilà. Il y a des gens, un jour, je sais pas, enfin moi je suis vieux, donc j'ai connu cette histoire-là, mais le jour où Jacques Martin a fait son AVC, a disparu du jour au lendemain de l'antenne, il a été remplacé au pied levé, puis finalement la télé a continué après, parce qu'il n'y a pas de... Personne n'est irremplaçable. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, la difficulté pour Énergie, je pense que c'est tout le travail qu'ils font en ce moment, c'est d'essayer de se sortir de cette histoire pour essayer de préserver l'antenne, d'essayer de construire quelque chose de différent. Parce que, à mon sens, je pense pas qu'ils reviennent tout de suite. Je pense que ça va durer un petit peu parce qu'il faut que le temps se fasse. Il faut laisser du temps au temps et laisser la police et la justice travailler. Parce qu'en fait, il y a un choc de temporalité entre les médias, réseaux sociaux et les médias tout info et les médias classiques. Et puis de l'autre côté, qui a une temporalité beaucoup plus longue, la police et la justice. Et est-ce que Énergie peut prendre une mesure en janvier, imaginons, de dire, bon voilà, nous, il y avait du talk sur cette antenne à ce moment-là, entre 15 et 19. On va aller chercher un nouvel animateur parce que là, en fait, ce serait aussi envoyer un message à Coé de « on te laisse tomber ». Enfin, c'est pas évident. Et laisser que de la musique, c'est aussi dire aux auditeurs, on a pendant longtemps dit que le talk en fin d'après-midi, c'était important sur Énergie et on vous prive du talk. La position est vraiment compliquée. Moi, je pense que s'il y a une solution de remplacement, et encore une fois, je ne sais pas si Énergie a décidé de remplacer Sébastien Coé, mais s'il y a une solution de remplacement, il faudra garder du talk. Parce que c'est un after school, c'est un moment où les gens rentrent chez eux et je dirais, consomment la radio de manière très conviviale avec des échanges, des auditeurs qui prennent la parole, des blagues à l'antenne, etc. Il a imposé un style.
de radio, justement en after school, qui est vraiment une référence en la matière, Sébastien Coé. Donc je pense que Énergie continuera sur ce domaine-là. Donc il faudra trouver quelqu'un qui soit capable de faire quelque chose d'approchant. Encore une fois, s'ils décident de se séparer de Sébastien Coé, ils peuvent très bien décider au mois de janvier, au vu de l'enquête interne, parce qu'en fait, il y a une double enquête. Il y a l'enquête judiciaire et policière, et puis il y a l'enquête interne. Si ils estiment que l'enquête interne ne met pas en péril les salariés ou en danger les salariés et que la présomption d'innocence doit prévaloir, ils peuvent très bien demander à Sébastien Coé de revenir à l'antenne une fois qu'ils auront fait boucler leur enquête interne et en attendant l'enquête policière et judiciaire. Ça, c'est une première décision qu'ils peuvent prendre. La deuxième, c'est de dire, voilà, c'est trop compliqué, ça va durer trop longtemps, l'image d'Énergie peut se dégrader et donc on décide de passer à autre chose. Moi, je les vois mal passer à autre chose qui soit de la musique. Donc je pense qu'ils vont forcément s'ils passent à autre chose en mettant un autre animateur, c'est aussi un vrai camouflet pour Coé, la position, je trouve. Moi, je me mets à la place aussi du patron d'Énergie, c'est pas évident. Oui, mais regardez, je vais vous donner un autre exemple. Alors, toute chose comparable n'est pas forcément comparable, justement. Comparaison n'est pas raison. Mais quand Darius Rejmain a été suspendu de sa quotidienne sur LCI, le temps d'une certaine enquête, c'est vrai. Il a toujours été employé de LCI. Une fois que l'enquête a été terminée, il est revenu sur LCI, sur un autre créneau, qui est donc le soir, le week-end, et il a retrouvé une place. Donc, je veux dire, on pourra toujours... enfin. Un talent comme Sébastien Coé, il y a toujours matière à le recaser sur la grille si on veut le conserver. Je pense qu'il est urgent d'attendre pour voir ce que vont donner les deux enquêtes internes et policières et judiciaires. Et après, ce sera à Énergie en tant que marque et en tant que média de prendre une décision pour le devenir de sa marque et de son antenne. On termine avec Thierry Moreau et la radio. Donc, quel consommateur de radio êtes-vous, Thierry Moreau? C'est-à-dire, est-ce que vous mettez de la radio pour de la musique ou est-ce que vous êtes vraiment talk et information? Moi, j'aime beaucoup la radio qui parle, en fait. Donc, c'est vrai que le matin, comme je vous disais, pour préparer l'émission, je regarde un petit peu ce qui se passe sur les chaînes Tout Info à partir de 8h et sur la presse écrite. Une fois que je suis dans la voiture à 9h et je mets à peu près une heure pour aller au boulot, j'écoute les radios et je zappe. Entre les informés de France Info, peut-être. Europe 1, le Culture Média, toutes ces émissions sur lesquelles je picore des infos et puis je m'informe, tout simplement. France Info aussi, parce que je trouve que c'est une chaîne où on a toujours, même sur une vision de toute info, il y a toujours des petits angles qui sont intéressants à prendre, qui sont différents. Mais en musical, il n'y a pas un petit plaisir coupable? Il n'y a pas RTL2, par exemple, un truc comme ça? Non. En musical, y en a deux que j'ai... Enfin, une essentielle, c'est Nostalgie et puis RTL2. Mais surtout Nostalgie. C'est-à-dire quand je veux vraiment écouter... Si je suis sur l'autoroute et que j'ai un long trajet et que j'ai écouté à peu près toutes les infos, je mets plutôt Nostalgie. Voilà. Parce que Nostalgie, j'aime bien. C'est une période des musicales qui me correspond en termes de génération. Donc Et alors en podcast, c'est vrai que l'après-midi, j'écoute les podcasts sur le retour de Christophe Fondelat. Une fois que j'ai terminé, en général, je passe sur les grosses têtes parce que... Je trouve que c'est toujours une émission qui est assez sympa à écouter, parce que quand même, Ruquier est un maître en la matière. Allez, on termine par la boule de cristal de Thierry Moreau. L'avenir de la radio, on l'a évoqué un petit peu, on l'a effleuré, c'est ne pas hésiter à ultra découper, à ultra podcaster, à proposer beaucoup, beaucoup de contenu hors du linéaire. Oui, et toujours avec quand même un lien avec le linéaire. C'est-à-dire que on voit aujourd'hui, par exemple, que les podcasts qui fonctionnent le mieux, ce sont des podcasts d'émissions existantes en linéaire. Les podcasts natifs, il n'y a pas encore tout à fait une énorme consommation et une explosion des podcasts natifs. Donc, je pense qu'il y a encore du travail avant que ce média nativement puisse être consommé en délinéarisé. Moi, je pense que le média linéaire va continuer à être très important. Encore une fois, je leur donne le chiffre, mais 38 millions de Français qui écoutent la radio, c'est quand même, c'est important. Donc, ça va encore durer longtemps. Vous savez, à chaque fois qu'il y a un nouveau média qui apparaît, on prédit la mort du précédent. Quand la radio est arrivée, on a dit que les gens ne liraient plus. Quand la télé est arrivée, on a dit que la radio serait morte. Quand les réseaux sociaux et les nouveaux médias sont arrivés, on a dit que la télé allait mourir. Bon, tous les médias cohabitent, simplement. Ils cohabitent de manière différente et ils s'adaptent aux nouvelles consommations. Mais je pense que la radio a encore de très, très longues années devant elle. Merci beaucoup, Thierry Moreau. Habituellement, on le questionne beaucoup sur la télévision. Nous, on a choisi de le questionner sur la radio. Eh bien, on n'est pas déçus parce qu'on a eu beaucoup d'informations très précieuses. Merci beaucoup, Thierry Moreau. L'actualité, c'est donc RMC et Estelle Denis. Et toujours et encore sur Totem dans l'Aveyron. Vous embrasserez David de ma part. Il sera content. Merci beaucoup. Merci. Des ondes vocastes. Des ondes vocastes.
l'univers de la radio. L'univers de la radio. En podcast. En podcast. Et des ondes vocastes, c'est terminé pour ce mois-ci. Passez d'excellentes fêtes de fin d'année. Et surtout, aidez-nous à faire connaître ce podcast. Vous partagez, vous notez, vous likez. Ce podcast, c'est beaucoup de préparation et on aime être écouté par le plus de monde possible. Alors, s'il vous plaît, faites du bruit. Merci à Thierry Moreau et à nos autres invités, Franck Gel, Philippe Chapeau et Kevin Gazo. C'était Olivier Audou au micro. On se retrouve le 1er janvier. Joyeux Noël à tous. Des ondes vocastes.